En campagne se poursuit, place à notre deuxième invité qui nous vient de la commune de Ngaba et de la circonscription électorale de Ngaba également. Il est conseiller, est candidat conseiller communal. C'est le tout premier candidat conseiller communal que l'on reçoit, Lelo Tolobaki, le 4 décembre. Bango, contrairement aux candidats présidents, députés nationaux, députés provinciaux, Baron Bazan a deux semaines pour en battre campagne, du 4 au 18 décembre. Il est candidat député provincial de la circonscription de Ngaba. Il est candidat conseil communal de la circonscription électorale de Ngaba. Lui, c'est Aimé Lolinga Nkwaku. Il est également l'actuel bourgmestre de la commune de Ngaba, Motena Ndeko. Bonjour. Alors, Essengwa Yambayo, bon, nous avons un peu partagé. Toto Yambayo est du bourgmestre, Toto Yambayo est du candidat député provincial. Il y a tellement de choses à dire sur la commune de Ngaba. Boni. Ça va, Tozali, Tozo Bouddha. Tozo en charge, charge à Ngaba, mais Tozo Pena Posa Yako, Memango, charge à Ngopé, au niveau provincial. On a beaucoup mis sa commune en Ngaba depuis, depuis le 5 janvier 2023. Donc depuis bientôt une année, Boni Ngaba. Présentez Bissona Ngaba parce que bon, c'est vrai que vous êtes beaucoup mis en fonction, mais tu es plus comme candidat député provincial et candidat conseiller communal. Présentez Bissona nos circonscriptions électorales Nayo. Où est posé Kambalelo en tant que beaucoup mis nommé. Bon, Ngaba, c'est une des parmi les plus petites communes, ma tevele va y avoir Ngaba, peut bien te bakan sa rompa Ngaba et Zangaba. Et souvent, même l'autorité Mboko va se tromper. Quand moi, le problème, c'est qu'il y a un Arigini. Ah, mais Ngaba, moi, j'ai même été interpellé un jour pour la Makamo, Zoleka, la Makala, mais ça n'a rompa Ngaba, mais ce n'est pas Ngaba. Ngaba commence à bypass. Ti na Kikuiti d'un côté et puis de l'université ti na rivière Yolo qu'on appelle Kalamu. Donc ce n'est que 4 km carrés de surface, donc c'est pas énorme. Commune à Moké, mais parmi les communes, il y a un problème. Il y a la ville à Kinshasa, Kuluna Nangapa, Bosoto, enclavement, Makamwe Bele Bele. Comment vous y prenez? Mais Kuluna, effectivement, quand je suis arrivé, tout à Kuluna qui m'a cassé, on a travaillé, on a arrêté beaucoup, même les gros leaders de Kuluna sont tous aux arrêts. Et puis on a essayé aussi de tomber jeune sombrer na katakulu na wala. Donc aujourd'hui c'est pas moi qui le dis parce que bon le bas oh ngai non n'allez ngai mingité, mais c'est le colonel Lifenge qui est le commandant district qui dit que le taux de kuluna le plus faible il y a Moamba actuellement. C'est un Ngaba. Oui. Et comme il est le taux le plus faible, à un moment donné, Zaki, l'Ikolo m'a cassé. Oui, mais on a travaillé. On a d'abord on a formé une comment j'appelle ça, une brigade de paix, où on a intégré des anciens Kuluna, des sportifs, des mamans Malewa, et tout ça pour avoir les infos, pour pouvoir savoir où se passent les choses et très vite, et la police pouvait agir. Et puis parfois par manque d'effectifs, parce que la police est très mal équipée et manque d'effectifs, ils ont aussi aidé souvent la police à interpeller Kuluna. Et aujourd'hui vraiment Bananga Bakukioloba, c'est pas fini, il y a encore des poches, mais ils dorment un peu plus
tranquillement qu'avant. Avant, à 18h, au temps volaté, tu vois, moi, dans Gaba. Mais les lots, tant que ce soit 2h du matin, pas besoin de circuler. Pour la salle, là-bas, patrouille, à 2h du matin, et les choses se passent à peu près normalement. Alors, Ozali, candidat député provincial, numéro 106. Dans la circonscription électorale en Gaba, dans la commune en Gaba. Torza Penza n'était pas bourgmestre, c'était pour Yango et Libisote. Olingi Penza, lobby au Komamo, lobby Liangaba dans l'assemblée provinciale. Oui. Le problème en Gaba, en dehors, il y a Oyo, au Meki, qui résoudre n'était bourgmestre, et Zalinini. Oyo, Olingo, il peut sa mandat, ok, lobby là. Il y a déjà problème à Liboso, et ça, problème, il y a. Il y a développement, il y a Ngaba. Ngaba a élu depuis 2006 des députés. Mais Ngaba n'a jamais eu de député. C'est-à-dire ? Ah, c'est-à-dire ? C'est-à-dire que bah, les députés en Ngaba, et je reproche ça aux électeurs en Ngaba. Les électeurs en Ngaba vendent leur voix. Baya quand ma papa social va te appeler ça bon va mongo va appeler ça bon va nini, mais moi quand je vais dans un magasin j'achète quelque chose, je te dois rien, je dois rien au vendeur, je dois rien au vendeur. Donc ce gars qui a qui naie alors tu sais nous avons affiché minene banine minene, mais à quoi qu'il ne colope la tête, il y a eu plein, il y a eu des projets chez Gelou, il y a eu plein de projets. Mais mon côté Kotingaba, pourquoi ? Parce que personne n'était là pour n'a côté les Mela Batou. Biso Kotingaba, janvier. Il y a des projets qui étaient là depuis avant. Rien. Il y en a un peu qui Donc, ce robe, Aza est l'une. Député provincial, il y a Ngaba, mais quand on interroge, il se dit député à Mouamba, alors qu'il n'y a pas de député provincial à Mouamba. Yosiko Lingosani. Nalingi d'abord redorer l'image, il y a commune Wana qui est même réputation, ils ont surfait. Toujours dans Ngamabe. Alors que j'ai trouvé des trésors sans citer notre ami qui est ici, mais des gens de capacité énorme. Mais on n'en parle jamais. J'ai même, pour les 40 ans de carrière de notre frère Redam ici, j'ai relevé ça et j'ai été très actif pour montrer qu'il était originaire de là-bas. On a des Lokwakanza qui viennent de Ngaba. Tout ça, on ne montre pas souvent le talent de Ngaba. Ngaba est toujours montré comme une commune à problème. Obandiango, Papa Thierry, Kolobakia, commune à problème. Alors que le problème de Ngaba, on retrouve ça dans toutes les communes de 24 de la ville province de Kinshasa. Mais Yangaba, on met toujours ça en exergue. Et c'est ça que j'ai envie de changer comme image. Comment vous allez vous y prendre, contrairement à ceux qui ont été là? Déjà, de ne pas avoir honte d'être de Ngaba. C'est déjà. C'est ce que je dis à nos jeunes de Ngaba. Soyez d'abord fiers de votre commune. Mais pour être fier de sa commune, il faut travailler aussi pour que la commune soit fréquentable, qu'il y ait moins de Kuluna, qu'il soit propre. Et voilà. Donc, il y a tout ça qui. C'est déjà des éléments qu'on doit mettre en exergue. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Yozaï na expérience ya moké côté wana et lokonini et sengeli ko sala pe lokonyo so sali. Oui, et là on a sali déjà, c'est
aujourd'hui au moins dans la plateau Nabino c'est à top Congo yo au yamba ba bomesto boni ngaba moko to zaka en direct ngaba Abdul Razak non non c'était pas ngaba Makala. Makala. Et vous voyez la confusion. Donc, développez ça. Non, pour le moment, on n'a pas battu. Et tout ça, quand Makala, en face, c'est un gars. Faites ton mémaillot. Oui, il faut bon manga. Il faut que tu le bagages. Donc, tu as commenté. Oui, il faut que tu village qui est bon manga. Mais je crois que même Osé a bien battu. Parce qu'il nous a parlé de Makala. On parle de Makala. Il est mort à Zola. 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 Il est mort Zolanda émission. Azan équipe à campagne Martin Fayoulou. Je ne sais pas où ils sont, mais en tout cas, il est en train de suivre Abi Azan a sonité à Oloba que Azan Moana Ngaba. C'est ça que qu'il faut tout le monde l'ango makasi. Mais n'angala relevé le komoko. Nayo ka poste non nayo. On dirait Eza Kafuti. C'est le nom de ma mère. Oh, ok. Il y a un gros outil qui est là. Non, ah, il vient en casse. Pour moi, Nanayo. Bonsoir, tu es tout seul. Tout seul, Nanayo. C'est le nom de ma mère, enfin, de ma défunte mère. Donc, et puis, Nanga, Bakafouti, Bazata, les bébés. Alors, ils ont un peu de mais. Perdu à Tchangou. Non, non. Moi, la Massina. Mais. Bissot, Batou, qui a sonité à Olobak. Kassi, au moins. Né, Gandhi, Massina. Mais au moins. Fierté au yabana tchang ba basala nango na lingi bana nga baba koma nango pe mais ba yo ka sonya ni na ebité za batuba rebesa ba ngoni déjà na zone sa ba ngo il faut ba longola mufinu kupo il y a des gens qui se disent mufinu kangaba mufinu ko spirituellement c'est mauvais donc zo bomba bango na sa mufinu ko nga disko ba longola mufinu ko na batuba ngona bango pe. Bon, on peut dire que ça, c'est vrai, à un certain moment, il y avait des générations, il y a bateau, Brocoy, que ça a un comportement, mais avec le temps, en tout cas, bateau belé, Baromar, on s'assume, surtout dans la période électorale, si au candidat, on s'assume la fief, non, on va voter. T'es bas, à l'obi bien, on s'assume à Siko, pour pas avoir voix. Pas voix. Après, à Kéi, 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 que la commune de Ngaba. Parce que la commune de Ngaba fête cette année-ci ses 55 ans. Mmh. Et, elle est trop jeune. Et mais le Lingan Kwako, anniversaire d'Aé Lélo, il y a 59 ans, c'est ça ? 59 ans. Naoti Kobenganga à Bruxelles, et pas Outi, le Bilanga, anniversaire d'Aé Lélo. Et Naboya Kikokota, mais joyeux anniversaire à monsieur Aimé le Lingan Kwako. Merci beaucoup. Babingan Angaba, ton à Bruxelles. Babingan à Bruxelles. Azamon Angaba, Azamon à Bruxelles. T'es, non mais justement, la particularité, c'est là où ça me dérange un peu. Nalingaki, bon, mon ami les Bandeli, bon, Salinga Sinaya. Je devais peut-être pas faire cette interview, mais Moutouti Bruxelles. À quoi Ngaba Ndigeni? Au courant qu'au coup il n'y a pas un mususu. Pourquoi Ngaba? Pourquoi Ngaba? Parce que Bampang il a monté Ngaba. Donc Ngai Nzana Ndaku Ngaba depuis 65 à mon nom. Donc ma grand-mère avait acheté une maison pour Nanga, Nangaba. Donc j'ai grandi chaque vacances na Kinekingaba, Nava, Nangaba. Donc, même en étant en Europe, Soronaye, je ne peux pas Nakuma Kinshasa sans Nakuma Ngaba. Donc, Ngaba, et Ngaba, ce n'est pas quelque chose où on m'a imposé, où on m'a dit, bon, Olinikaga, Luka. J'ai imploré pour Nazwa commune Wana. Parce que dans mon acquis, tant à côté de la commune Wana, c'était. Mais vraiment... est-ce qu'un moyen n'a pas de disposition les Ali Lélo? Parce que Yozol n'a aucun député provincial. Oui. Peut-être que député provincial a rechangé. Et là, il faut rechanger pour la commune Tiangaba. C'est vrai que Kinshasa, pas partout, c'est le même problème. Oui. Mais Nangaba, c'est. Non, c'est à qui dans ma. Makala. Dans Makala, Makala, Ngaba, tout ça, on a l'impression, Limbisa, on a l'impression que là-bas, c'est foutu à Libela. Non, c'est pas foutu à Libela. Il n'y a rien qui est jamais foutu. Mais
c'est des communes délaissées. Donc, pas parce que les autorités ne veulent pas. C'est que les gens que nous avons élus jusqu'à présent, intérêt commenté. Non, mais là, vous parlez du pouvoir législatif, les gens qui doivent faire quelque chose, les pouvoirs exécutifs. D'ailleurs, il faut préciser une première action de très grande portée pour les communes d'Engaba et Makala, c'est la route Elengue, ça, qui traverse pour la première fois. Non, ça passe pas. C'est pas Engaba. C'est pas Engaba. Oh là, évitez. Ça n'a rien à voir avec Engaba. C'est Makala. C'est voilà, Kikuit. C'est Makala. Kikuit. C'est Kikuit. C'est pas Bandan, c'est là. On a des cas Engaba. Kikuit. Entre autres, Engaba. Oui. On n'a pas fait ça par rapport à Engaba. Il n'y a pas, depuis 55 ans, une route qui a été construite pour Engaba, pour désenclaver Engaba. Justement, j'avais moi, une question. Et moi, j'ai proposé... Parce que dans Makala, le Baki, Baibima, Makadam, t'es dans Makala, dans Engaba, Boibi. Et vous, vous avez proposé. Et donc, mais Ngaï, je me suis battu et j'ai obtenu ça du ministre de l'UTPR et de l'OVD. A venu, Banangaba, Baibi, frigo, Baibima, a rompé les champignons qui part de bypass jusqu'à Kikuit. Ça l'a mort et c'est déjà fait. Mais c'est que comme cas, à niveau, il n'y a pas station, va marcher. Donc, on a les études, tout a été déjà fait. Et puis, il y a aussi l'avenue Lumumba qui part de bypass aussi jusqu'à Kianza. Ce sont les deux avenues que moi, je me suis battu en tant que bourgmestre, alors que normalement, si on avait des vrais députés, ils auraient pu travailler pour que des projets et Bimaki Bele Awa, Ngaba Pesa impacté le Kola, Lemba. On est en train de construire des dizaines de routes là-bas. Pourquoi? Pourtant, député Nabino Moko, à côté de Zali, le gouvernement provincial, il a sous la législature. Je Lobate Ngaba a représenté T. Je n'ai pas dit que Zali a représenté T. J'ai dit que. Portant à bâti. Donc, portant à bâti, c'est pas venir dans le monde, c'est que Yosa Mkonzi Ngaba. Ils ont dit que si Kaba Zobeta Masolo Ngaba, il va Zobeta Masolo, il y a un projet au côté de sa Pengaba. C'est ça. Monsieur Aimé Loling, tout le monde, bon, tu veux dire que tu as été vendu dans Ngaba pendant un moment, une année ou deux ans, dans Massima Nimba, direction Komukanga. Alors, problème, il y a Ngaba, Ezalipe, urbanisation, situation à Banzela, qualité, il y a Mabele, ce qui m'a dit, Betty, Romona Maye Boti, Topema Ezo, Tanase, parce qu'il est débordé dans la rivière Ezo Mata, Ozali Bourgmestre, en même temps, Ligno, comme un député, pour tous ces problèmes-là. Oui, ça l'a rappelé que ben Ngaba, bah au cas où il y a qu'on reconnaît que c'est moi Ngaba. Quelle est la solution? Moi je connais Ngaba depuis toujours, depuis que j'ai dans un âge il y a conscience. Ngaba, Ezaki na zélo, na bête, on est sur l'hôpital Bobby Laza Lelo. Ezara terrain football, y a Ngaba. J'ai joué sur ce terrain-là. À midi, c'est impossible. L'autre bête à ma colongoune, au Kokate, zélo, pendant presque nous, c'est ton roman Ngaba, et ton roman à zélo Ngaba. Donc on a raclé presque zélo Nyonso. Et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, tout comme on a un problème, voilà. D'abord, ils ont salité les gens, Babo kakaba déchet na bango na balabala. Au lieu yako longo lango. Donc le premier problème c'est ça. Deuxième problème. Place au bois à foule les athées. Place au bois là tozoko là na ba quartier ba foule tono ko tout monde a ce mal au pan to na coin bobong ici bopé otie na coin mais bon au bois on partout et na kata le pan on nos bois ka foule. On met les jus au bois qui a essayé qu'on met les. C'est ça aussi, c'est l'éducation. Donc, ce sont des choses que, aujourd'hui, dans tout Kin, je vois ça, je suis sidéré. C'est pas non plus le manque d'organisation, ça veut dire, Ata, Oyo, Lobby, au bois, Kanabalabala, Terre au bois, Kangouab. Non, je pense que d'abord, Eza,
yomongo civisme na yo avant tovanda na ba Bruxelles wana il y avait pas de poubelles partout non plus donc au retour na poubelle na yo tona na déchets na yo tiens si ka sorozonga na onda ko zonga na onda ko tiens au temps la poubelle en fait. Mais... le problème c'est une question de mentalité. J'ai remarqué que ici tokoti na monde moko où tout est permis. On peut tout faire. Total, embouteillage, au moins à mon tour, à côté sixième bande, alors que normalement, il n'y a que deux bandes. Mais les Kamboya Foulou, dans la commune Moussousou, il faut permettre que tu puisses faire les caca pour les gens. Mais il faut que tu puisses faire les caca. Il faut faire les caca. Les caca, mais c'est les pires. C'est les pires. Au début, ça la nîmes. Bazui ba 2000 francs ba 500 francs bateau bazui ba déchets ba ké na rivière yolo ba ké ba vidé nasina kangi deux bon mais finalement on n'a rien fait parce que les réseaux matawana sont boula parce qu'en plus de ça c'est des constructions anarchiques. Notre parcelle se situe c'était la deuxième parcelle à partir de la rivière deuxième parcelle. Aujourd'hui, il y a comme un huitième. Mmh. Donc, parce que le lit supérieur, place dans sa rassurité, bah, toi, ton a à 0 mètre à maille. Et puis, ils se plaignent que pendant que nous avons inondé. Aimé Lolinga, candidat député provincial numéro 106, commune de Ngaba, candidat député communal numéro 370, na commune Ngaba, bah, candidat député conseiller communal Ebélé Ngaba. Je voudrais, puisque na invité Sougi Ozo Ozala, et question Moussous, parce que je voudrais que le col Ozala invite Nabiso Aliboso, candidat député communal, conseiller communal, au oui. Lobelana, nous en jeu élection communale. Objectif de Ezani Nezali, au. Au bas de la poste actuelle, il y a bourgmestre, parce que ça, on a conseil communal, on a d'office votant. Comme dirait le président, j'aimerais consolider les acquis. Non, mais en fait, hein, il faut d'abord que tous les années, il faut que la population ait les enjeux, il y a élection municipale. Parce que souvent, namoni na kena qui là ko remplir ba document na niveau ya CENI. J'ai vu ba maman ba 70 ans boul na bango ba koma ba conseil communal au communal ba maman wana pona ba bazwa tamzoso ba 21 000 $ donc bango idée na bango que Bazara va débuter, mais au niveau communal. Alors, il faudra peut-être tout ça, Bango. Quels sont les enjeux? Les enjeux, c'est peut-être faire élire d'abord le bourgmestre et son collège et contrôler Bango. Mais ils n'auront pas de bureau. Bango va travailler dans la communauté. Ils ont été assemblée provinciale, mais à la commune, non. Bango, mais... Nous sommes bien, 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 nous sommes bien. Donc, il y a combien de candidats au conseil communal dans Ngaba? Parce qu'il y a déjà 370e. Je ne pourrais même pas. Il y a combien de sièges? Il y a 8 sièges. 8 sièges au conseil communal. Oui. Ouf, ok, bon, déjà, plus de. Déjà, conseil député provincial. Pour la siège, je monte à 110. Donc, pour vous dire. Siège, c'est à moi, quoi. On rappelle que celui qui a été élu en 2018, c'est Charles Mboutamoutou. Mm. C'est bien lui qui a été élu député provincial en Rabat. Oui. Et puis, par la suite, il a rejoint le gouvernement Ngobila. Voilà. Alors, maintenant, quelles sont vos chances? Vos chances, il y a pour Ozoa, justement, vote, il y a des électeurs, il y a Ngaba. Au Kanis, ici que. Sur les 110, vous allez vraiment le mieux placé pour voter Yoka Ramutumo. En tout cas, je ne vais jamais, même quand j'étais sportif, je n'ai jamais pour Napola. Jamais. Et je pense, c'est pour ça que je ne me suis pas présenté au niveau national, parce que je trouvais que je n'avais pas assez de vécu sur terrain
pour pouvoir me lancer dans une élection comme celle-là. J'ai travaillé que 11 mois jusqu'à présent, mais je pense que Bananga reconnaissent quand même, et je, modestement, je considère qu'on a salé Zaka qu'on a entamé les choses. Je ne peux pas encore parler de bilan parce que qu'il y a une année qu'on quitté. Mais Manta Moana Eza assez prometteuse, si on peut dire. Donc, et beaucoup, c'est même eux qui m'ont demandé de me présenter. Et ils m'ont dit de soutenir Yo. Et on va faire. Et le, c'est l'électeur qui décidera. Mais moi, je pense que les chances. J'ai pas mal de chance. Voilà, bon. Mais justement, le 30 décembre, parce que Tozo connaît la souka, il y a émission, il y a interview dans le passage Nayo. Le 30 décembre, les auditeurs électeurs vous regardent. Et là, on est au Banamuto, à Rosoko, dans l'isoloir, Poatia, et là, on a urne. Pourquoi est-ce qu'il doit voter pour le numéro 370 et le numéro 106. Et le numéro 106, aimer le lingua inquaco. En tout cas, j'espère que Baroya le 20 décembre. Sauf pour souvenir le 30 décembre, ça sera trop tard. Le 20 décembre. Au tiradé. Pourquoi le bateau salirait oh. Et puis Barucha, Barucha bulletin, la urne. Oui. Oui. Non, je pense que Nenge Barubanako votait le numéro 20 à niveau présidentiel, parce que Bissosa de l'UDPS Tshisekedi, parce que Namoni a Moutoumar et le 20 voté, je suis le candidat unique de, du parti titulaire de l'Union Sacrée. Parti titulaire. Oh là là. Yomoga me batien nanga. Parti titulaire. Ah bon? Parti titulaire, puisque Bissonnet, Bassali, Union Sacrée, tourne à Bissot. Donc Bissonnet, titulaire, il y a Union Sacrée. Okay. Donc je suis le numéro 106 au niveau provincial et le numéro 370 au niveau municipal. Je dis erreur. Au niveau provincial et 370 au niveau local. Municipal. Mm. Je pense que Moussala Oto Bani Kosala Banangaba Bamoniango. Offre politique Otozo Toza Kosala. On va faire la politique autrement. Ma politique à ma polo, Yaba Kosala Batuba Pont, alors que tu n'as pas qualité, Tosala Yango Ti. Soko Olaninga Pona 5000 francs, ah, Nanangam Piaker. Mais sur le Ningapo, Balabala na bino et bonga. Que lobby pe batanga ngaba pe parmi. Ah, wana voté pour nanga. Et je pense que Bananga va vous comprendre déjà. On salit plusieurs cycles électoraux. Bon, moni bino moko, ma kamaon n'engeleki. Donc, ça la faut pas. A voter na e polo to. Tout l'iputa est allié pour que tout soit qu'un magasin à sommet loco à casan à tina à vendeur thé et puis par le bac à le boko oyo et pesaka et ça a toujours le colo à le boko et sengaka naï naïe le boko na yako senga banangaba ba voter naï. Il y a toujours une scène à Bino. Alors que ceux qui ont été en train de se faire, ils ont été en train de se faire. 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 Ils sans rendez-vous, ils ont été en toujours. Merci beaucoup, candidat élection provinciale numéro 370, commune Angaba. Et 370, non provincial 370, commune. Non, 106. 106. Ambrouille-Balanga, on votait mon tout le monde. Élection provinciale.
numéro 106. Élection communale. 370. UDPS, Tshisekedi, parti titulaire. Fachi Béton. Aimé le Linganquaco. Merci à vous d'avoir été avec nous. Dans quelques instants, un nouvel invité, ce sera le directeur de campagne, élection présidentielle, candidat numéro 21, Martin Fayoulou. On le reçoit juste après. Son directeur de campagne. Son directeur de campagne. De Mosquito. Bon courage pour la suite, j'ai oublié de vous dire. Bon courage pour la campagne. Et bon anniversaire beaucoup. Et bon anniversaire. Tout de suite, la publicité. On se retrouve avec Devos Kitoko. Thank you.